elle est gentille, ma fille, car elle est gentille, car elle est gentille. Il alliait la gouaille typiquement parisienne avec un bon sens paysan, car il ne faut jamais oublier que les villes et les plus grandes ont d'abord été peuplées par des paysans qui montaient à Paris, et notamment pour ce qui concerne le Paris le plus populaire qui nous concerne, il y a un siècle d'un peuple qui vient essentiellement du centre de la France, Auvergne et Limousin, et qui vient notamment avec un instrument, pour certains avec une torture, mais pour d'autres une autre jouvence, l'accordéon. Est-ce qu'il y a des lieux où on danse encore au son de l'accordéon ? Bien, à Paris plus guère, hein, ça serait un peu la banlieue, la proche banlieue, à Nogent. Oui, madame ? Je vous précise qu'à Paris, il y a un groupe qui s'appelle, qui joue souvent de l'accordéon et qui permet aux gens de venir et de chanter.
bon, il existe. C'est récupéré aussi un petit peu par certains milieux, peut-être bobo, non, pas. Oui, oui, mais maintenant, si vous voulez, c'est oui, tout à fait. C'est oui. Oui, mais bon, j'ai une amie aussi qu'on appelle la Baronne, qui a une association, ben, la Paname, qui fait des soirées dansantes dans le 10e, dans le 19e. Bon, c'est du musette revisité, quoi. Ça fait. Bon, c'est sympa, mais. Avec ce qu'il y a eu avant, quand on pense qu'avant la guerre, il y avait quand même près de 200 bals musettes à Paris. Et là. Il y en avait un très à proximité, je crois qu'au Petit Robinson, il y avait un célèbre bal musette. Hein. On est vraiment ici dans une région. Ça s'appelle au Grand Arbre. Ah oui. Oui, oui, il y en a au Petit Robinson, mais aussi au Petit Robinson. Et de toute façon, alors, l'accordéon est très enseigné aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes accordéonistes. Et mon ami Pascal Sevran, quand il animait son émission, il m'a dit. Des jeunes gamins de talent, mais il y en avait beaucoup. Hein, et là, il y a quand même une relève qui arrive. Hein, mais si tant est qu'on les laisse s'exprimer quelque part, ça c'est un problème. Oui, parce que l'âge d'or est quand même un petit peu passé. Est-ce qu'on peut parler d'âge d'or ou non? Ah oui, est-ce oui, qu'il y a eu l'âge d'or de ce Ah bah oui, la Gambille à Paris, je vous dis, c'était quand même quelque chose. Quand il y avait 200 bals musettes à Paris, rue de Lappe avant-guerre, il y en avait 12. Vous y alliez rue des Vertus, rue Homer, rue des Gravilliers, il y en avait 10-12 aussi, il y en avait partout. Et les musiciens à l'époque étaient des musiciens qui faisaient danser. Hein. Le bal, l'accordéoniste, était l'instrument qui donnait à danser. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent de l'accordéon sans qu'il y ait des danseurs. Quelqu'un qui veut poser une question. Oui. L'âge d'or du musette, oui, c'était certainement avant, mais l'accordéon aujourd'hui renaît de ses cendres parce qu'il a été réapproprié par énormément de formations musicales, dans plein de styles différents. Enfin, c'est formidable d'ailleurs. On redécouvre la même des formations classiques. Oui, bien sûr, mais c'est autre chose. Là, nous parlions du Paris populaire. L'accordéon était l'instrument de ce monde-là, du peuple de Paris, et ça a disparu. Ça a disparu complètement, quoi. Alors, on est dans les souvenirs. Mais ceux qui le jouaient et qui dansaient sur ces airs d'accordéon ont peut-être aussi quitté la capitale. Est-ce qu'il y a toujours... Ils ont peut-être quitté la ville, d'abord, en Paris. Ils ont quitté la ville. La capitale, ils ont peut-être été... Parce que c'était populaire. Il y avait un Paris populaire. Je suis désolée, le Paris populaire, il a un petit peu disparu quand même. Il faut savoir que même dans chaque quartier bourgeois, dans chaque quartier urbain, il y avait un quartier populaire. Quand je dis que je suis né dans le 7e arrondissement, les gens me disent « Oh là là, dis donc, c'est vachement chic et tout ». Oui, mais dans le 7e arrondissement, il y avait le quartier du Gros Caillou, et on habitait avec mes parents dans un immeuble bois et plâtre, qui avait d'abord servi pour les travailleurs du tabac, la manufacture des tabacs étant juste à côté rue Surcouf n'est pas l'imbécile, hein, bon. Et à ce moment-là, c'était vraiment dans des conditions qui n'étaient pas extraordinaires, puisqu'on avait les toilettes sur le palier. Alors quand on a dit à tous ces gens-là, tous les gens qui habitaient la rue de Bussy dans le 6e, la rue de Passy dans le 16e aussi était populaire, je ne dis pas qu'elle était prolétarienne, mais elle était populaire, quand on leur a dit « on a un appartement pour vous qui fera 3 fois ce que vous avez déjà, plus 2 salles de bain, plus ceci », ils étaient contents d'aller à Massy-Palaiseau ou ailleurs. C'est comme ça qu'on a chassé le peuple parisien de Paris. Ça, c'est une destruction importante de Paris, mais je pense que tout à l'heure, il faudra parler aussi de la destruction par l'architecture contemporaine. Oui, madame. Moi, je voudrais dire que mon souvenir de bal populaire, c'est au moment de la libération de Paris, où il y avait des bals dans tous les coins de rue. Et je me souviens qu'à l'époque, ma maman avait une bonne à tout faire, comme on disait. Mais il n'était pas là. Elle m'avait emmené dans cette rue de la guerre. J'avais 10 ans. Et c'est
cet aspect-là a duré un certain temps, et progressivement ça a disparu. Et en même temps qu'il y avait l'accordéon et le bal populaire, on distribuait les feuilles de musique. Et ça aussi, ça a... Les petits formats. Les petits formats, et ça aussi, ça a complètement... Mais l'orchestre, de façon générale, a disparu aussi, parce que ça coûte cher. Souvent, même quand il y a des bals, il y a une solo, parce que c'est facile, moyen avec un budget, enfin, c'est un... Ce n'est pas simplement le genre musical qui a disparu, mais oui. Non, mais puisque nous parlons de quartier, alors cette photo-là d'ailleurs, où on voit un type en maillot de corps, c'est une photo de Doineau, je crois, qui est prise rue d'Izarde, au coin de la rue des Canettes, c'est-à-dire tout près de la place Saint-Sulpice. Maintenant, c'est des quartiers hors de prix. Et avant, effectivement, après la libération, c'était encore des quartiers populaires. Moi, je suis du Marais, j'ai toujours habité le 4e arrondissement. Ben, je l'ai vu, enfin, à la fois se rénover, j'allais dire dépérir. Ben non, parce que dans ma jeunesse, il était calamiteux, ce quartier-là, le Marais. Mais enfin, on y était bien, on n'était pas toujours en train de se dire « Oh, c'est calamiteux, oh, c'est calamiteux ». On se lavait dans la cuisine, bon, il fallait faire chauffer l'eau sur le gaz. Bon, ben, on n'était pas toujours en train de se dire « Oh là 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 là, si j'avais une salle de bain, on faisait avec, on avait un banc de toilette ». Ma mère, elle ne voulait pas aller à Oudouche, elle disait « Oh, j'ai la prétention de savoir me laver hein. ». Alors, elle n'allait jamais à Oudouche, mais elle se lavait dans la cuvette avec le banc de toilette, et puis voilà quoi. Alors, on est né dans ces quartiers, moi je suis né rue Rambuteau, juste en face du centre Pompidou, qui n'existait pas à cette époque. On a vu tout ça changer. On a été dépossédé de Paris, et même en y restant, eh bien, on a l'impression d'être très étranger, quoi. Moi, le malheur fondamental de Paris, c'est la destruction des Halles, parce que c'était quand même un quartier qui employait environ 300 000 personnes, vous vous rendez compte, c'était immense. Alors bon, on a fait des Halles un sujet d'indignité nationale. Vous savez, quand il y a des modes qui montent comme ça, alors que ça existait depuis des siècles, donc on a détruit ça, et non seulement ça, mais de proche en proche de Paris, quoi. Il faut dire quand même que les Halles, le responsable de la destruction des Halles, c'est la RATP, qui a dit on ne peut pas faire notre échangeur pour le RER sans balancer ce qu'il y a par-dessus. En même temps, certaines personnes se sont émues en disant on pourrait peut-être les déplacer, on nous a expliqué on ne peut pas. Or, le maire de Nogent, Nargesser, qui a des repères, mais peu importe, bon, lui, il a dit, bah, moi, je le ferai démonter et je le remettrai à Nogent-sur-Marne. Et effectivement, c'est pour ça, quand vous allez à Nogent-sur-Marne, vous voyez les Halles de Baltard. Mais moi, il y a quelque chose aussi qui m'a terriblement choqué, parce que moi, je suis pas comme lui. Lui, il est de la rive droite, moi, je suis de la rive gauche. Alors, vous comprenez, bon, je sais bien, comme on dit dans le Limousin, que la lisière vaut pas mieux que le droit, mais enfin, bon, c'est pas tout à fait pareil. Moi, ce qui m'a exaspéré, c'est que bien qu'étant dans un quartier populaire dans le 7e, ma mère m'emmenait au musée de l'armée aux Invalides, que je trouve d'ailleurs le plus beau monument de Paris et un des plus beaux monuments de France. Et puis maintenant, puis on allait aussi promener ses chiens à l'école militaire. Quand vous êtes devant maintenant les Invalides et l'école militaire, qu'est-ce que vous voyez? La tour Montparnasse. Et la salope, oui, c'est comme ça que je l'appelle, on a l'impression que quand on marche comme ça, elle nous suit, vous voyez, elle ne veut pas s'en aller. Bon, et tout ce qui a été construit sous la 5e République, à partir de 58 à peu près, que ce soit d'ailleurs, et c'est très intéressant, parce que Pompidou était de droite, Mitterrand était de gauche, mais tous les deux nous ont fichu des bâtiments abominables, abominables. Y a rien... Mais une ville doit bien évoluer quand même, non? Comment? Une ville doit bien évoluer. Mais elle ne peut pas évoluer. Cette idée qu'à un certain moment, depuis des siècles, on construit des choses belles, et d'un seul coup, il faut s'arrêter puis faire n'importe quoi. Il y a un très beau quatrain de Sacha Guitry, je vais me permettre de vous le dire. On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils, mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté? Là, maintenant, on a l'impression qu'avec le centre Pompidou, avec la tour qui va se construire, porte de Versailles, on a l'impression qu'on fout tout par la fenêtre. L'argent est foutu par la fenêtre. Et même dans le bout des hôtels. Est-ce qu'il y a des bâtiments nouveaux, récents, qui trouvent grâce à tes yeux, à vos yeux? Personnellement, ceux des années 30, l'Art déco, le Palais de Tokyo, l'ancien musée des colonies, tout ça c'est très très beau, il y a de belles sculptures. Ouais, alors, depuis après les années 30, on va dire, les années 50-60, d'après-guerre. Citez-moi un
que vous trouvez beau, qui a été construit. Mais c'est quoi le beau du temps de Maupassant, Flaubert trouvait immonde la Tour Eiffel. Bah, je la trouve aussi. Je la trouve immonde aussi. C'est ça pour faire plaisir. Non. Non, elle est pas laide, mais si j'étais dictateur, je ferais raser la Défense et je mettrais la Tour Eiffel là. Mais ça serait beau. Hein? Oh bah écoutez, alors là il y en a quand même quelques-unes. Il y a déjà toutes les églises, la cathédrale. Bon, je suis d'accord que la basilique de Montmartre elle est pas très belle, mais si on la rasait pour mettre autre chose, on aurait droit à un cube de verre, alors j'aime autant qu'elle reste. Mais ne crois pas, cher camarade Claude, mais ne crois pas que les gens du peuple n'ont pas de goût, car moi j'entendais ma grand-mère. Hein, fille de paysan qui disait mais c'est affreux tous ces trucs-là, oh, c'est moche. Bon, voilà, mais tu sais très bien que quand l'œil n'est pas habitué à une nouvelle forme, on a du mal à l'apprécier. C'est pas. Donc, ce qui blesse l'œil blesse l'âme. Voilà. Ça, c'est... Alors, Alain Poker, vous le voyez, s'intéresse beaucoup plus à l'architecture que moi. Je suis à peu près d'accord avec ce qu'il dit. Mais moi, ce que je regrette dans Paris, c'est l'âme des gens. C'est le bistrot, c'est le comptoir. Quand vous alliez comme ça dans Paris, moi je suis du centre, donc je pars souvent du centre, vous aviez des bistrots, vous aviez des rats, vous aviez le comptoir, vous aviez le mec qui racontait sa vie, on rigolait. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette ambiance. Les bistrots sont devenus des cafés, on y arrive et on s'asseye, on s'assoit. Et là, le type vient, qu'est-ce que vous prenez, madame? Alors le gars, il prend un coup de rouquin, paf, 9 euros, dis donc, un verre de vin, 9 euros. Dis donc. Alors comme disait le petit Paul, tu peux pas en remettre, tu l'as connu le petit Paul, bon, tu peux pas en remettre comme ça, des tournées, 9 euros. Alors t'es assis. Mais avant, bon, ben. Alors il y a toute une ambiance, le fait de parler l'argot, le fait de sentir bien dans les vieilles rues. Voilà, c'est ça qui me manque. Alors l'ennui, c'est que. J'essaye de faire la part des choses, et qu'en vieillissant, enfin moi même quand j'étais jeune, j'étais déjà nostalgique. Et évidemment, en vieillissant, ça n'arrange rien. Alors je sais bien qu'en vieillissant, on devient ronchon, on n'aime rien du tout, enfin il y a un club des ronchons. Alors on essaye de faire la part des choses, de voir si on n'aurait pas tort, si on ne se trompe pas, si on n'est pas trop... Mais on est quand même, enfin moi je suis très très désenchanté de Paris. J'ai mon copain Gilbert de la Butoka, c'est un ancien catcheur. Bon, on s'est connu, il me disait, curieusement, c'est un catcheur qui lit, enfin on est devenu amis. Et il me disait l'autre jour, on est cocu de Paris. Et j'ai trouvé que l'expression, on est cocu de Paris. Et les Parisiennes? Ben les Parisiennes, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise, les Parisiennes? La Parisienne a toujours été louée, hein. Parisienne, elle est belle, mais... On l'appelait le trottin. Le trottin, oui, le trottin parisien, quoi. Mais alors, depuis que l'amour, et là, quand je veux dire l'amour même tarifé, a disparu des rues de Paris, eh bien, Paris est mort. Parce que Paris, c'était l'amour. Ben oui, toute la littérature prouve que nous étions très doués dans l'amour. Au Palais Royal, jadis, toutes ces rues qui avaient été réservées au commerce, et bien tout ça, non, il ne faut pas, on a des gamines maintenant qui sont au gouvernement, qui veulent punir le client des prostituées, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Enfin, le Sénat a réussi à faire repousser cette mesure, jusqu'à quand? C'est des gamines maintenant qui nous dirigent, quoi, ils ne connaissent rien. Mais c'est des gamines aussi qui sont sur le trottoir, hein, donc c'est pas formidable. Oh, bah, de moins en moins de gamines, hein, n'est-ce pas? Je comprends maintenant ce que vous dites, oui. Mais il ne faut pas non plus. Oui, mais pas traiter ce sujet de manière comme ça. Oui, mais est-ce que vous en avez connu, vous, des prostituées? Parce que moi, j'en ai connu. Elles ne se plaignaient pas tellement. Moi, j'habite pas loin de la Porte Dauphine, je vois des gamines qui sont mineures. Si elles n'étaient pas droguées, elles ne se plaignaient pas. Je ne les envie pas. Moi, j'ai pas envie d'aller avec ce genre de filles. Écoutez, moi je vais mettre tout le monde d'accord. Hein. Il y a deux sortes de clients de prostituées. Il y a ceux qui vont les voir parce qu'ils n'ont pas de femme, et ceux qui vont les voir parce qu'ils en ont une. Alors ça fait beaucoup quand même. Ils sont contents. Non mais il a raison.
qu'est-ce qui manque maintenant dans Paris? Ce sont des quartiers. Alors, bien entendu, vous me direz, il y a tout, Saint-Germain-des-Prés existe toujours, mais à partir du moment où il n'y a plus que des fringues, moi je me souviens à Place Saint-Germain-des-Prés, quand j'étais moutard, j'avais vu un gars traverser en pantoufles, en charentaise, qui tenait sa boîte de lait, là, comme ça, on en appelait ça une laitière, voilà. Bon, dans le sous-sol d'un bouquiniste, on tirait à la carabine avec Romy, qui est un grand historien de Paris, et des boxeurs d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que le petit bistrot, maintenant, il est le bistrot, il est lounge. Et puis on a des happy hours. Ah, les happy hours, ça c'est beau les happy hours. C'est pas Happy Max, hein, qui est toujours là d'ailleurs, qui vous salue, c'est des happy hours. Non, c'est-à-dire que les classes qu'on appelait autrefois laborieuses, les pauvres, eh bien, on était obligés d'aller voir ailleurs, quoi. Mais il y a plus ces classes laborieuses aussi. C'était qui? Qui formait ces classes laborieuses? C'était des ouvriers? Bah oui, mais les ouvriers, il y en a moins aujourd'hui. Oui, ce sont des informaticiens. Oui, mais enfin, il y a tout un peuple de Paris qui a été relégué en banlieue, et même plus loin qu'en banlieue, d'ailleurs. On en parle, d'ailleurs, enfin, on n'en parle pas. Mais maintenant, quand vous êtes dans Paris, vous avez des gens un peu bonbons, un peu ça. Alors qu'ils connaissent tous les droits de l'homme, les droits de la femme, qu'ils connaissent tout. L'autre jour, j'entendais un type, bon, ils sont charmants, ces gens, ils m'aident à démobiliser ma paranoïa. Oh, les mecs, ils ont un drôle de langage. Dans le temps, c'était, je sais pas, tiens, Joe Privat. Un jour, on lui demandait comment ça allait sexuellement. Il disait « Oh, Popol, il n'a plus l'âge d'aller au guignol. » Hein, c'était Joe Privat. Et puis, il en avait encore plus que ça, quoi. La seule femme membre du club des Ronchons, Geneviève Dorman, me disait il n'y a encore pas si longtemps « Moi, tu comprends les droits de l'homme, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les doigts de l'homme. » Non, mais... Moi, mon père qui est né rue Pernetti, dans un immeuble bien plus crado que celui où j'ai vécu rue Jean Nicot, il y avait un bal et un cinéma rue Pernetti. Ah ouais. Et mon père me disait le samedi soir, on descendait les cuvettes. Qu'est-ce que ça veut dire? On descendait les cuvettes pour nettoyer les blessures, les ramponneaux que les mecs s'étaient mis après le bal, pour quelque raison que ce soit. Hein. C'était pas... Mais, il faut dire, les voyous de cette époque-là, ils n'avaient pas de Kalachnikov, c'était quand même un avantage. Non, mais c'est surtout aussi qu'il y a des lieux qui ont disparu. Par exemple, je me souviens, jusque dans les années 70, 75, j'allais encore le dimanche me balader sur les grands boulevards. Les grands boulevards, c'était une promenade incroyable. En ce moment, je lis le journal littéraire des Goncourt. Ben, c'est vraiment un livre à prolongation, ça fait un an que je suis là-dessus, hein, mais il y a 4000 pages. Hein. Enfin, là, au Second Empire, et même après, même pendant la République, enfin, tout se passe sur le boulevard, quoi. Et le boulevard, dans les années 30, et je vous dis, encore dans les années 50, eh bien, c'était une splendeur. Il y avait plein de brasseries où il y avait des accordéonistes, il y avait le Faubourg Saint-Martin. Maintenant, quand vous y allez, il n'y a plus rien, quoi. C'est moche. Alors, où va se promener le peuple de Paris? Vous allez sur les Champs-Élysées. Oh! Alors c'est pire que tout. Hein? Alors les gens, l'été, la c'est là où il y a le plus de femmes voilées, mais elles viennent pas de France. Hein? Oui. Il y a de la thune, alors on les. Et alors les gens sont en tongs. On fait pas d'histoire. Ils sont en tongs, ils sont en short. Vous savez, les mecs, ils ont des shorts qui leur arrivent sous le genou, là, avec des poils aux pattes, avec des sacs à dos. Enfin, c'est. Vous parliez tout à l'heure de la parisienne, de l'élégance. Où est-elle cette élégance de Paris Et alors il y a des boutiques de fringues. Alors là, je ne comprends pas comment. S'il y en a partout. Il faut savoir que les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'était un quartier où on allait voir les films quand on voulait les voir en version originale, et c'était le quartier du cinéma où il y avait les boîtes de production. Ce qui fait que quand on se baladait sur les Champs-Élysées, on croisait assez facilement des vedettes, on croisait des starlettes, on croisait des producteurs, des scénaristes. Un jour, notre ami Alfred Ebel, il était avec Jacques Sergine sur les... Jacques Sergine, l'auteur de L'éloge de la fessée, bon. Il était avec sur les Champs-Élysées, il croise Jean Coe, et qui travaillait dans le cinéma. Et Monsieur Coe, écoutez, on vient de faire un scénario, là, est-ce que vous voudriez nous le lire, qu'est-ce qui ne va pas, ce qui va bien, mais vous allez nous prendre de l'argent. Et Jean Coe dit, bon, allez, payez-moi un gueuleton, et je vous le fais. Bon, voilà.
C'était et on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Non, les Champs-Élysées, c'est abominable. J'étais pas allé depuis des années. Tu y allais, toi? Ben, je suis allé au mois de juillet me promener là, avant de partir en vacances. Mais non, mais les gens, maintenant, les rencontrent sur Facebook. C'est ça. Oh, non, mais c'est ça. Je ne dis pas que c'est bien. Il y a une révolution du cœur qui change complètement la. De toute façon, vous s'intéressez au bruit de Paris, aux sonorités de Paris, aux cris de Paris. Il y a eu des poèmes, les cris de Paris. Maintenant, vous vous promenez, le mec, il a des trucs dans l'oreille, ça le gratte aux fesses, alors il se gratte. Enfin, non, enfin, c'est pas à qui on a affaire. Et surtout aussi, quand on. Ou alors, c'est que vraiment, je ne plais plus à personne. Quand on se promène, dans le temps, il y avait des regards. Est-ce que c'était des marcheuses? C'était une forme de prostitution, ça, la marcheuse. Maintenant, il n'y avait plus rien. Je sais pas. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis obligé de te dire que tu ne sais plus y faire, car il y a un truc très simple. Chaque fois que tu rencontres une jolie femme dans Paris, tu lui souris, il y en a une sur trois qui te répond. Il y en a une qui dit qu'est-ce qu'il me veut ce con-là, l'autre je le connais, et la troisième te sourit. Mais ça ne veut pas dire que ça va aller plus loin, mais si tu souris, on te sourit. C'est classique, ça. Non, on ne va pas exagérer, mais tu as raison. La chanson française, la chanson parisienne. Si on dirigeait une radio, par exemple, on pourrait faire une programmation de chansons consacrées à Paris avec tous les chanteurs qui ont chanté Paris, de Bruant, le dernier c'est Renaud, hein, depuis il y a quasiment rien, et bien on pourrait rester des heures, des jours, des semaines, des mois peut-être, simplement avec des chansons sur Paris. Or, il n'y en a plus. Bon, est-ce que qu'on y fasse, c'est comme ça Oui, alors il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y en avait une là. La boucherie, le tabac de la rue des Martyrs, qui était moche, cette chanson, qui avait fait les garçons de boucher, tu sais, qui avait fait un tabac, c'est le cas de le dire, elle était moche, cette chanson, parce qu'il parlait de la rue des Martyrs. Ouais. Non, les deux dernières grandes chansons, à mon avis, sur la vie de Paris, c'est La dernière séance d'Eddie Mitchell. Ouais. Ah oui, parce que la fermeture des cinémas de quartier, ça, c'est quelque chose qui a compté. Bon. Ouais. Et deuxièmement, moi, j'adore le blues de la Porte d'Orléans, Renaud, parce que j'habite à côté. Que j'y connaissais la famille et tout, et qu'effectivement il habitait dans un immeuble où il y avait Marie Dormois, la maîtresse de l'architecte Perret, et copine, et qui était aussi la maîtresse de Léoto, c'était elle qui a recueilli son journal. Et le jeune Renaud, qui avait 13 ans, un jour il arrive, et qu'est-ce qu'il voit qu'il montait chez Marie Dormois? Je vous le donne en mille, Jean Brassens. À 25 cm chez ses parents, il est allé faire dédicacer le 25 cm et toujours dans la famille. Bon, en tout cas, de chansons sur Paris, il n'y en a plus. Tiens, justement, quand tu parles de Renaud Brassens, est-ce qu'il y a des héros, au sens littéraire, mais en musique, en littérature, en peinture Alors, en peinture, on peut en parler, en littérature aussi, mais alors la petite Zaz, qui a du talent quand elle ne chante pas ses chansons, c'est comme. Olivia Ruiz, elle vient de faire un clip avec Alice là toujours. Tu l'as pas vu? Non. Ah, elle est très pétulante. Il faut qu'elle chante les chansons des autres. Si elle chante ses chansons, ça pue écrire les chansons. Allez-y, hein, écrivez, composez pour des chanteurs. Je suis sûre qu'il serait très, très content de chanter Alors, les peintures de Paris, je vous signale que le musée Carnavalet, qui est le musée d'histoire de la ville de Paris, a une salle de tableaux des années de l'entre-deux-guerres et même un petit peu de l'après-guerre consacrés à des vues de Paris. Bon, il y a notamment un tableau qui représente la centrale téléphonique de la rue Faubourg-Poissonnière. Il y a plein de tableaux sur Paris. Il y en a des 1900. On voit le restaurant à la cascade là, au Bois de Boulogne, je ne sais plus comment il s'appelait, bon, etc. Mais c'est vrai que la peinture sur Paris, bon, on parle des vrais peintres, hein, pas des mecs qui sont en place du Tertre, qui vous font votre portrait, il y en a toujours eu. Ils sont pas parmi. Y compris les cubistes, Robert Delaunay, il a quand même fait la Tour Eiffel. Bon, et un qui a magnifiquement peint Paris aussi, c'est Grosmaire. Bon, alors vous allez me citer aussi le fils Valadon, Utrillo. Au début, il y a de très très beaux tableaux, après, comme il faisait ça pour un litre de rouge, c'est un peu moins bon. Mais tout a toujours existé sur Paris. Toi et moi, on a des bibliothèques sur Paris entière, hein, par ordre alphabétique, sur tous les gens, à la lettre F, Léon-Paul Fargue, à la lettre A, Apollinaire, le flâneur des deux rives. Alors, Carco, hein, ça c'est. Carco, c'est bon, le Montmartre au quartier latin. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus Carco, c'est pas qui c'est. Bah,
L'autre jour, je cherchais, je me suis renseigné dans une librairie, Carco, vous ne connaissez pas, bon, bah, je regarde sur Internet, ah oui, 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 ah ben vous avez les œuvres poétiques complètes, j'achète. Ah oui, mais c'est uniquement sur tablette. Mais qu'est-ce qui les distingue, enfin, qu'est-ce qui distingue l'artiste parisien? Parce que c'est leur chair, ils aiment ça, ils aiment... Mais quelle est la différence entre un artiste parisien et un artiste berlinois ou londonien? Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins? Mais l'artiste berlinois, c'est la grosse... C'est la grosse sale finesse. Non, je blague, les grands artistes, évidemment, mais... Oui, bah, chacun aime sa ville, chacun aime son village. Oui, mais est-ce qu'il a quelque chose... À un moment donné, il y avait une pub assez amusante sur les Parisiens. Bon, ça, peut-être que certains d'entre vous l'ont encore en mémoire, sur le journal Le Parisien, où on montre le Parisien qui vraiment est un sale type, individualiste, il ramasse, il y en a des très très drôles dans ces pubs, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, il y en a un qui a de la merde de chien au pied, il se brosse sa chaussure sur le paillasson de son voisin, et puis, et c'était décliné avec plein de petites... Et puis même. Des petits films amusants. Mais c'est pas ça être parisien. Bah, alors, parce qu'ils ont dû faire un brainstorming et se rendre compte que les Parisiens, elles ne sont pas forcément sympathiques. Oui, mais les étrangers ne les aiment pas tellement, les Parisiens. Ça, c'est les provinciaux aussi, mais enfin tout ça. Oh, bah, moi, non, mais pour revenir à Carco, dans un très très bon livre qu'il a écrit pendant l'occupation, il était sur la Côte d'Azur, il a écrit un très très beau livre qui s'appelle Nostalgie de Paris. Il dit que. Les gens de notre génération, c'est-à-dire juste au début de la guerre de 14 ou après, nous détestions le théâtre. Le seul théâtre qui nous intéressait, c'était celui de la rue. Ça voulait bien dire la force de la rue, ce qu'on y trouvait dans la rue parisienne. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle La rue, et on disait la rue pour dire le trottoir, pour dire le Paris intime, c'était la rue. Je suis pas d'accord, parce que Sacha Guitry, c'est facile de dire, c'est boulevardier, tout ce qu'on veut, alors c'est un des génies du XXe siècle, il est parisien aussi. Bon, Marcel Aimé, les romans parisiens de Marcel Aimé, on sent le petit peuple de Paris aussi, et il le montre à la fois avec ses petites veuleries, ses petites lâchetés, et en même temps il le montre le moment où il devient héroïque un peu. Et c'est ça qui est très fort dans la littérature sur Paris de Marcel Aimé. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas que la rue, il y a aussi le théâtre de Guitry. Oui, mais on parlait du Paris populaire quand même. Oui, ah ben moi je parle pas du Paris populaire. Oui. Guitry a fait Paris tout autant que Carco. Ils sont tous les représentants de Paris. Oui, mais il n'y a pas que le Paris populaire, je suis désolé. Oui, mais moi j'ai parlé du Paris populaire. Oui, c'est vrai. Et en plus, Guitry, qu'on dit, ah oui, c'est un bourgeois, etc., il a représenté les gens du peuple dans 3 films. La poison, la vie d'un honnête homme, même il représente un type qui fait un peu le bac, enfin bref, c'est Michel Simon. Et puis aussi, il représente les domestiques dans la maladie des Eisenhower, vous savez, quand ça vous trompe, bon, bref, ça va me revenir. Non, Paris, c'est un tout. Et je dirais justement que les bobos, ce sont des gens qui sont parisiens dans le mauvais sens du terme, le parisianisme. Et ils n'aiment pas les Parisiens dans le bon sens du terme, qui sont dans les chansons de Francis Lemarque, dans les romans de Marcel Aimé ou le reste. Voilà, c'est vraiment... J'ai envie de dire que c'est de la lutte des classes un peu aussi. Mais bon... Puisque tu parles de Marcel Aimé, j'ai trouvé une réponse à quelque chose. Il s'est trouvé que quand j'allais au Balajau, bon, à l'époque de Jo, tout ça, il y avait, on dira, des truands. Est-ce que c'était des gros truands? J'en sais rien. Est-ce qu'ils jouaient à l'aide? J'en sais rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était leur façon de parler. Mais pourquoi cette fascination? Pourquoi cette fascination du mauvais garçon, etc.? Eh bien, j'ai trouvé une réponse dans Le chemin des écoliers de Marcel Aimé. Le chemin des écoliers de Marcel Aimé, c'est un jeune homme qui vit chez ses parents pendant l'occupation. Le père lui donne 1000 francs. Il est prof, il lui donne 1000 francs par mois. Et lui, à côté, parce qu'il a un copain qui est aussi au lycée, mais dont le père est un roi du marché noir, il se fait 30 000 balles par mois. Alors ce jeune homme, il a une maîtresse, alors ça c'est bien Marcel Aimé, dont le mari est prisonnier. Et c'est le gamin qui fait les lettres
que la femme recopie pour son mari qui est prisonnier et lui couche avec elle. Bon. Et alors un soir, il y a les vacances de Pâques et ils vont dans le bistrot du père du copain, un bistrot de marché noir où il y a effectivement. Où il y a effectivement des truands. Et là, le gamin, il se dit, bah dans le fond, tous ces truands, ils disent rien d'intéressant, ils disent que des conneries. Et pourtant, le lendemain, il a envie d'y retourner. Et bien, c'est exactement ce que je pensais quand je fréquentais un petit peu des mauvais garçons. Ils racontent que des conneries, enfin des fois c'est marrant, et on a envie d'y retourner. Alors, qu'est-ce que c'est que voilà. Mais j'avoue que cette ambiance, c'est pour ça que souvent dans mes livres, j'ai parlé du Paris populaire, matinée voyou, parce qu'on passe très vite du populaire au voyou. Dans une même famille, vous aviez un gars, un fils qui était serrurier, l'autre qui était ébéniste, et puis le quatrième, ben, il les avait à la retourne, et il avait une fille sur le trottoir. Ah, tu sais, déjà serrurier, hein, c'est presque une avance. Hein. Il y a beaucoup de films qui ont représenté ce Paris. Et là, c'est très intéressant parce que, par exemple, moi, il y a un film pour moi qui est un chef-d'œuvre de Jean Delannoy, scénario de Jean Delannoy et d'Audiard, dialogue d'Audiard, qui s'appelle Maigret dans un piège avec Gabin, qui se passe quasi exclusivement dans le Marais. Et à part un plan de la place des Vosges, reconnaissable, hein, alors qu'on ne peut pas le faire en studio, tout est en studio et c'est plus vrai que nature. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Si, mais moi ça me dérange un peu, parce que je suis quand même de ce quartier, je ne reconnais rien. Voilà. Sauf que je reconnais la rue Ginard, je reconnais, parce qu'à un moment on se trouve rue Ginard, qui est juste à côté de chez moi, on se trouve... Mais après on ne sait pas trop où on est. C'est Paris, c'est le décorateur, qui est René Renoux, qui est un grand décorateur de cinéma, il a fait ça à la perfection. Et souvent, par exemple dans Le Jour se lève, qui est en banlieue, mais... Gabin, il est dans un hôtel qui fait 4-5 étages, alors qu'il y a des maisons basses autour, une place. Je l'ai jamais... Elle n'existait pas, elle est entièrement en studio, mais c'était Vakevitch, je crois d'ailleurs, le décorateur, mais elle est plus vraie que nature. C'est-à-dire qu'on avait... Pourquoi ? Parce que Vakevitch et Renaud, ils savaient ce que c'était que la rue de la région parisienne. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ? Est-ce que ces artistes étaient d'un milieu populaire ou Pas forcément. Non, très rarement. Forcément. Oui. Vous voulez poser une question? Non. Ah bon. Vous leviez la main, c'était pour la mettre dans les cheveux. Alors, c'est très bien. Moi, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a de temps en temps, on voit à la télévision une sorte de petit clip. Alors, on demande à une personnalité quel endroit du monde vous aimeriez sauver. Et il n'y en a pas encore un. Alors, tous, il y avait ici Galapagos, des machins, Ushuaïa, etc. Il n'y en a pas un qui dit. Moi, je voudrais bien sauver Paris. Et évidemment, on te l'a demandé, toi, de faire le clip. Non, je n'ai rien. Voilà, c'est comme quand vous vendez des livres dans un salon du livre. Eh bien, vous voyez qu'autour de vous, on prend des livres du Cameroun, on prend des livres, tout ça. Puis ceux sur Paris, on ne les prend pas. C'est exactement la même chose. C'est un appel au peuple. Ah bon, merci. Je n'ai pas pu vous le dire si vous l'avez. Ah bon, merci. Lequel, alors? Je me souviens de Paris. C'est un livre que j'aurais préféré voir intitulé « C'était quoi le Paris populaire ?» Voilà. Ah, ça, c'est un meilleur titre. Ah bon ? Oh oui. Bon. C'était quoi ? On met pas le titre, c'était quoi ? Non, c'était quoi ? Ben non, mais parce que beaucoup de gens se disent « C'était ben, quoi ? C'était quoi ?» Parce qu'on en parle. Ce titre-là, le lecteur devient acteur. Ah bon ? Je me souviens de Paris. Bon, ben, peut-être. La pigée, quand même, c'est un rappel de Pérec. Je me souviens de Pérec, qui est un jeu anglais. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nostalgique. Chez Paris Gram, il y a une collection, je me souviens des Halles, je me souviens du premier arrondissement, mais ce sont des livres avec des photos. Or, celui-ci, c'est une nouveauté chez Paris Gram, il n'y en a pas, c'est une étude. Quoi. Vraiment, c'est une étude, parce que quand il y a des photos, on peut moins... Enfin, c'est plus court, en général, le texte est plus court. Là, il y a quand même 400 pages, hein. C'est une étude. Hein. Voilà, En tout cas, il faut lire ces deux livres, hein, ils sont formidables. Tous oui. Je me souviens de Paris et Paris. Je n'ai pas dit le mot, c'est d'ailleurs envoyé une petite pensée de Paris, de Paris. Ah non, ah, non, c'est pas Paris, c'est une arnaque. Ce qui est formidable dans ce livre, c'est que ce n'est pas l'arrondissement. Les chapitres sont très bien structurés.
dire des anecdotes, des coups de gueule contre... Dans Paris, par exemple, il y avait aussi des quartiers. Bon, mes parents avaient des amis juifs dans le sentier. C'était un plaisir d'aller les écouter parler avec l'accent ashkénaze, quoi. C'était maintenant le sentier. Comment peut-on faire d'autre puisqu'on nous a tué notre Paris? Mais de toute façon, ça aussi c'est une mode. On vous dit qu'il ne faut pas être nostalgique. Pourquoi? Pourquoi? Comme disait tout à l'heure Monsieur Chevalier, vous appelez Chevalier avec deux L, mais j'ai eu un ami qui était Louis Chevalier, qui était professeur au Collège de France, bon, qui est grand spécialiste du Paris du 19e et 20e. Il avait déjà fait dans les années 70 un assassinat de Paris. Oui. Et il disait que ben, dans ce livre, justement, la nostalgie est un vieux thème de littérature parisienne. Vous ouvrez Balzac, vous ouvrez Hugo. Il y a une nostalgie. Vous n'auriez peut-être pas tant écrit si Paris ne disparaissait pas. Oui, alors Paris a toujours disparu, c'est vrai. A toujours changé, comme vous disiez au début. Ça a toujours changé. Mais là, quand même, depuis 40 ans, 50 ans, et c'est justement le changement de la population. Voilà, alors, c'est surtout ça. Vous savez, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez maintenant écouter de la musique avec Jean Privat Junior et Muriel. Mais on peut peut-être commencer à en chanter une tous ensemble. Oui. Hein, une chanson qu'on chante dans le film Circonstances atténuantes en 1939 avec Michel Simon et Arletty, Émile Apparelli et Georges Lannes et bien d'autres. Deux minutes, oui. Alors, on va essayer de la faire tous ensemble. Et vous connaissez le refrain, il faut dire comme de bien entendu. Est-ce que vous pouvez dire comme de bien entendu? Oui. Dites-le. Un peu. Bon, c'est et la façon, même si j'ai oublié les paroles parce qu'on a beaucoup bu de vodka. Et la prononciation, quand vous dites que c'est un vodka. Et un pernaud bien torsé, bien torsé. Alors que les filles maintenant, je me casse. Alors qu'autrefois, je me casse. Bien torsé, je me casse. Et les E muets qui sont prononcés, je te le dis. C'était ça la réalité. Mais moi, ça me gâte dans son sens. C'est aussi un autre problème. Par exemple, notre président de la République, quand il parle, tous les muets, et c'est l'ancienne femme, c'est quoi les croyants aussi. Et quand le Premier ministre dit, il parle du France bashing, non seulement je ne sais pas ce que veut dire le mot bashing, mais en plus, il utilise la forme anglo-saxonne, la forme anglaise. Il pourrait dire, à la limite, le bashing anti-français. Non, il dit le France bashing. On est en train de foutre la langue française en l'air, pas que la parisienne. La langue française évolue avec des anglicismes. Ah bah bravo. On dit addict au lieu de dire dépendance. Le mot français existe, pourquoi aller choisir un mot un problème. Ah, tu me le mets en quête. Alors on va tous le faire. Laisse-toi. Allez, on s'aime. Vous, moi, c'est assis. Hein. Je vais la prendre avec mon accordéon. D'accord. Le point de départ. Moi, je vais le dire. Elle était jolie, belle. Alors, on y va. Elle était jolie, belle. Comme bien entendu. Et une brillante belle. Elle ne fit pas d'espoir, elle ne fit pas d'espoir.